Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 11h. J'ai hâte de terminer mes cheveux. J'en ai un peu marre de faire mes cheveux. Je vous ai mis la vidéo normalement vendredi pour vous. Attendez, je prends mon planning pour être sûre que je ne dise pas des bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez déjà eu la vidéo, vous avez déjà vu le rendu. Puisque là, j'attends, je reçois encore une patine pour enlever les points de jaune. Mais vous les voyez vachement plus foncés qu'elles ne le sont en vrai. Après, j'ai l'éclairage jaune. Peut-être que si je mets juste du blanc. Attendez. Attendez. Ah oui, vous voyez, c'est moins jaune. Ici, c'est encore un peu foncé. Mais c'est quand même moins jaune que ce que vous voyez avec l'éclairage neutre. Je vais vous expliquer d'abord mon week-end. Vendredi, j'ai commencé La Demoiselle et le Dragon que j'attendais avec impatience sur Netflix. Et j'étais à 50 minutes, donc un peu moins de la moitié, je crois. Panne de courant. Oh, chouette, hein. J'attends, j'attends, ça revient pas. Je me suis dit, c'est peut-être des petits travaux, ça, ou un petit souci électrique et ça va revenir tout de suite. Ça revenait pas. Donc, je dis, je vais manger, je vais aller me coucher en attendant que ça revienne. Je mange, je me prépare, je vais faire mon petit pipi. Et à peine je dis au chien, on va au dodo, bam, l'électricité qui revient. Non, mais fous de ma gueule. Bon, j'ai quand même été dormir, hein. Je fais après. Mais j'ai adoré. Même si la fin est hyper, hyper prévisible. Bon, de toute façon, rien qu'avec le titre, on s'en doute déjà. L'histoire est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je pense que je le regarderai encore une petite fois. Voilà, j'aime bien regarder les trucs plusieurs fois. Parce qu'il y a toujours des trucs qu'on loupe. Et ensuite, j'ai créé mes personnages. Je vous ai fait la vidéo sur ma chaîne gaming. Donc, je vous la remets en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Je parle pas hein, dedans, je montre juste ce que j'ai fait à mes persos, enfin comment j'ai fait mon perso principal. Et vous pouvez déjà sur Dragon's Dogma 2, il faudrait peut-être que je vous donne le nom du jeu. Ils ont sorti une application gratuite que vous pouvez déjà créer et sauvegarder vos personnages. Comme ça, vous gagnez le temps de création une fois que le jeu il sort. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et ça permet d'attendre un peu et de déjà se mettre l'eau à la bouche, mais même que je l'ai déjà beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait ça. Et ouais, vous avez la vidéo, j'ai noté. Créer un perso. Comme ça, je n'oublie pas de la mettre en barre d'infos, sinon j'ai oublié. Le samedi, je me suis tapé une big migraine, mais toute la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'ai un peu mal le crâne. Et puis d'un coup, c'est venu, mais violent, hyper violent. Donc j'ai été me recoucher. J'ai été me recoucher, il était 9h. Je me suis levé à 14h30 et j'ai redormi à 18h30, 17h30 jusqu'à 18h30 de 17h30 à 18h30 dans le canapé. Après, on a mangé et par contre, ouais, impossible d'aller me recoucher le soir. J'ai été me coucher, il était 2h du matin. Donc le lendemain, j'étais fatiguée. Entre-temps, j'ai réussi à faire la moitié de mon ménage. Après, j'ai dû arrêter parce que j'avais trop, 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 trop mal. Le soir, on a mangé une bonne raclette. Dimanche aussi. J'en avais tellement envie. Et j'ai fait mes ongles. Donc j'ai fait mes ongles avec un autre vernis que les Madame Glam, pour être sûre. J'ai pas mis la. J'ai juste mis base, vernis et top coat. J'ai pas mis le déshydratant, la première base et tout ça. Et j'ai mis. Puisque c'est vraiment les cuticules en fait le problème. Sur mes ongles, je ne sens rien, mais sur mes cuticules, c'est un enfer. Donc j'ai mis, vous savez, le gel en silicone là qu'on met autour de l'ongle pour après juste peler et ne pas salir ses cuticules justement. Donc j'ai mis ça. Et franchement, ça va mieux. Bon, là j'en ai par exemple les deux annulaires qui me grattent à mort. À mon avis, j'ai pas assez mis
de silicone, latex, c'est peut-être plus du latex que du silicone d'ailleurs, mais ça a bien fonctionné. J'ai les doigts un peu secs, mais ça je pense que c'est à cause du silicone, du latex, de la protection quoi, que j'ai eu beaucoup de mal à enlever, hein. Normalement ils montrent que ça pèle comme ça tout facile, je l'avais jamais testé, voilà, donc là je réhydrate bien mes mains. Ouais, celui-là est tout sec. Mais ça me gratte vachement moins que d'habitude. Donc, voilà. Je pense vraiment que c'est le produit dans les cuticules, si peu que ça touche un peu, ne plus que la base ou le top coat. Et qu'avec la lampe UV, ça me fait des réactions, puisque ça brûle, hein. Vous avez beau faire. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis contente. Dimanche matin, quand je suis réveillée, je dis, tu m'aimes, hein? Qu'est-ce que t'as encore à me demander, toi? De m'emmener au champ rapido pour aller chercher une colo grise, puisque vous voyez bien que la colo grise que j'ai fait, si elle a bien pris ou c'était, enfin elle a bien pris, elle a mieux pris ou c'était bien décoloré, mais pas sur les pointes. Donc là demain je reçois ma patine. Ouais, j'ai acheté de raconter mon dimanche. Donc il m'a emmené au champ et zéro colo grise. Mais alors, quand je vous dis zéro, c'est zéro. Donc, j'étais en train de me dire, toutes les mamies qui vont au champ, elles n'ont pas le droit de se colorer les cheveux en gris pour raviver le gris et tout ça. Voilà, bref. Ensuite, j'ai mon frère qui est venu quand on est revenu de chez Auchan. Du coup, on y a été pour rien. Et j'ai commandé donc la colo grise que je voulais sur Amazon. Voilà, donc là, je reçois la patine demain pour moi. Je vais faire la patine. Je voulais la mettre de côté, mais je vais quand même faire la patine pour essayer d'enlever un peu le jaune ici, pour que le gris prenne plus facilement, que je ferai donc mercredi, puisque je reçois mercredi, et normalement je devrais avoir fini mes cheveux. Après ça restera comme ça, hein, parce que chier, je vais pas mettre 5000 colos sur ma tête, mais j'ai pris un gris plus foncé que le gris que je voulais vraiment depuis que je suis ado sur ma tête, un gris un peu anthracite comme ça. Entre le souris et l'anthracite, enfin argenté et souris plutôt, enfin argenté, anthracite, enfin un gris quoi, mais plus foncé que celui que j'ai fait, pour avoir les cheveux gris, comme je vous ai dit, et les garder corrects. Vous voyez comme ça change avec les reflets de la lampe, mais ouais, ils sont pas si foncés que ça quand même, hein, en vrai. J'aime déjà bien là, hein, comme ça, c'est. Bon, après, je pense que j'aurai cette couleur-là à peu près au naturel. Donc, vous voyez, les repousses, même si là, ça repousse, ça fait pas de démarcation. Et c'est ce que j'aimerais bien faire avec la colo grise pour éviter les démarcations. Donc, voilà pour mon petit week-end. Là, aujourd'hui, j'ai déjà pas arrêté. Je me suis levée à 2h30. Enfin, les chiens m'ont réveillé à 2h et je me suis levée à 2h30. Je ne me suis pas levée tout de suite. J'ai essayé de redormir, mais pas moyen. Donc, mais en même temps, j'ai dû me coucher à 21h. Hein. Et du coup, j'ai fait mon lave-vaisselle. J'ai fait un peu de rangement. J'ai fait quoi? J'ai lissé mes cheveux. J'ai fait mes soins. J'ai été à la douche. C'est là que je sors de la douche. Et ouais, j'ai regardé Dr House. Et là, je suis sur YouTube, je regarde. Je suis tombée sur un reportage. C'est assassiné par mes parents. Et c'est. Normalement, c'est une série ID. Mais je la trouve pas sur l'IPTV. Donc là, j'ai regardé là. Je vais peut-être regarder si je la trouve en streaming pour avoir tous les épisodes. Donc, c'est tous des enfants qui ont été assassinés par leurs parents. Donc, c'est art, mais c'est des belles histoires, quoi. Mais là, je vais manger, puis aller dormir un peu, parce que tantôt, j'ai la kiné. Demain, je ne vous prendrai pas, parce que je vais faire le remplissage de mes dentiers. Comme ça tiendra un peu, parce que celui du bas, il ne tient plus du tout. Même avec la colle, j'ai du mal à ce qu'ils tiennent. Donc, vivement, demain soir, j'espère les récupérer demain soir. Sinon, ça sera mercredi, dans la journée. Donc, voilà. Ça dépend à quelle heure je les récupère, si c'est le mercredi, ou si je vous prends ou pas. Et voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais encore faire la cagésité. Je dois laver mes pinceaux. Parce que là, de toute façon, je ne sais pas filmer avant vendredi, jeudi. D'avoir fini mes cheveux. Pour pas faire de transition trop bizarre avec mes cheveux.
enfin sur les vidéos, quoi, vous voyez. Moi j'aime que ce soit dans l'ordre. Voilà, voilà. C'est tout et tout. Je pense que tout à l'heure, je vais faire un petit live aussi sur... Je pense que je vais le faire directement sur YouTube, la chaîne gaming, pour voir. Je sais pas encore quel jeu, si je joue à Horizon ou à Phoenix. Je sais pas, je verrai bien quand je lance la console. Et là, par contre, j'attends plein de jeux. Je vais encore me ruiner avec ces jeux-là. Combien de jeux j'attends en tout? Je vais vous dire. J'ai tout noté, hein. Dragon's Dogma, il est précommandé, donc ça va, celui-là, je l'attends plus. Il y a Flintlock en été, Vision of Mana, là, ça doit être fin d'été, début d'automne, je pense. Project Me, j'ai pas de date. Horizon 3, j'ai pas de date. Et Awakening en été 2024 aussi. Donc voilà, bon, Horizon, j'ai pas de date, mais à mon avis, c'est courant de l'été aussi, je pense. Il faut déjà que je finisse le 1 et le 2, ça serait bien. Voilà, pour avoir. Donc ça, ça évolue pas, je vais d'abord jouer au 1 ou au 2, et à mon avis, une fois que j'aurai Dragon's Dogma, l'autre passera un peu à la trappe. Donc voilà, mais là, j'en attends quand même 1, 2, 3, 4, 5. Project Me, c'est pas sûr encore, faut que je vois le gameplay exactement. Donc j'attends 6 avec Dragon's Dogma, mais qui est déjà payé. Donc ça va. Oups, pardon. Et là, je disais hier avec mon frère et chérie, vu que mon Mac il commence vraiment à bien merder, en même temps, il a. Il a quel âge celui-là? Chérie, il dit qu'il en a au moins pour qu'il a au moins 15 ans, et je pense qu'on n'en est pas très loin. Donc, soit je reprends un Mac parce que j'aime vraiment bien l'utilité du Mac pour aller sur internet et tout ça, mais je pense plutôt que, comme on discutait avec mon frère et chérie, je vais plutôt me prendre un PC gamer. Donc, je vais mettre de côté pour ça une fois que j'ai fini la castration de Yuki, puisque là, je saurais. Mardi ou mercredi, au pire, combien j'en ai pour mes dents. Et donc après, je fais la castration du kit, puis je mettrai de côté pour m'acheter un PC surpuissant. Bien que je, en ce moment, vu que j'ai la console, j'achète des jeux sur console, mais sur Steam, il y en a plein que j'attends aussi. Mais il y en a deux vraiment que j'attends. Mais c'est comme ça pour faire même mes montages, même les lives si je veux. Repasser par OBS et tout ça, j'ai plus facile avec un PC gamer qu'avec le Mac, puisque je ne sais plus installer les nouvelles versions des programmes, et je ne sais plus faire les mises à jour. Il n'y a plus aucune mise à jour qui se fait, ni pour mes programmes, ni pour le Mac, de toute façon, il est beaucoup trop vieux. Donc, voilà, je pense qu'après, je vais investir dans un PC gamer. Mais comme disait chérie, un Windows ne tient jamais aussi longtemps qu'un Mac. Hein. Parce que là, je vous dis, il merde sans vraiment trop merder. Hein. C'est juste que je ne sais plus faire les mises à jour. J'ai le Wi-Fi qui saute, donc là, je l'ai branché. Donc, Internet saute de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. C'est souvent quand j'ai un problème avec la prise derrière. J'ai des pages Internet qui ne s'affichent plus correctement. AliExpress notamment, j'ai que des petites. Les images ne s'affichent plus en fait. Donc je suis obligé de passer par l'autre PC ou par mon téléphone. Et de temps en temps j'ai des lignes dedans parce que la carte graphique à mon avis est en train de rendre l'âme aussi. Mais je m'en sers que pour regarder les vidéos en fait. Hein. Voilà. Je m'en sers comme télé mais en fait du Mac pour l'instant. Enfin pour aller sur internet quoi. Mais en principe c'est pour regarder mes vidéos, répondre aux commentaires, des choses comme ça. Donc je sais pas, je vais voir pour que je vois un peu où me renseigner, enfin où aller voir pour acheter un PC déjà. Parce que j'ai peut-être pas forcément envie de le commander sur Amazon. Quoique, je sais pas si je peux trouver un vrai gamer complet, quoi, en fait, voyez, avec écran, tour et tout. J'en ai vu chez Auchan, il faut compter à peu près 3 000 euros. Enfin, entre 2 et 3 000, on va dire, pour un bon PC. Hein.
que déjà il me faut 16 gigas de RAM, ça c'est sûr, minimum. Et 1 Tera de disque dur, donc ça fait déjà. Et un écran de la même taille que le minimum que le Mac, quoi, parce que c'est vraiment la taille d'écran parfaite là pour mon bureau. Et voilà. Donc j'irai bien. Bref, on verra bien. Je ne suis pas encore. Faut que je mette de côté d'abord. Hein, bon, après, ça peut aller vite, hein, mais on verra bien. Je commence à fatiguer à mort. Je vais manger et me coucher. Du coup, j'aimerais chauffer. Il reste quelques patates et des tranches de fromage de raclette. Je vais me chauffer ça. Une croûte. Je sais pas si je me fais. Il reste un peu de poulet, mais j'ai pas envie de le cuire. Ah, bah oui, je le cuirai ce soir pour Georges pour manger avec. Oui, parce que ce soir, je me casse pas trop la nénette. Hein, le lundi, vu que je rentre de la kiné, il est parfois 6 heures. Donc, je vais faire frites vol-au-vent. Bocal, hein. Vol-au-vent bocal. Hein. Mais ça me n'aime pas, donc il faut que je fasse à chaque fois autre chose. Donc, comme il reste du blanc de poulet. Je pense que je vais lui cuire le poulet ce soir, comme ça il mangera ça lui, avec les frites. Voilà, bon, sur ce, on switch le jour, mais du coup on passe à mercredi, hein, voire jeudi, ça dépend quand est-ce que je vais récupérer mes dents. Et comme ça je vous dirai si elles tiennent enfin. Hein. Celle du haut ça va, hein. Ça tient, je mets quand même un point de colle au niveau des molaires pour être sûr qu'ils ne tombent pas. Mais il tient relativement bien. Mais celui du bas, il bouge énormément maintenant. Donc, j'espère qu'avec le remplissage, je serai obligé de mettre de la colle, ça je sais. Mais j'espère que ça tiendra mieux quand même, quoi. Voilà, on verra bien. J'ai hâte que ce soit fini, cette histoire de dents entiers. Et mes cheveux aussi. J'aimerais bien avoir le rendu final. C'est pour ça que je vais quand même faire la patine... demain pour enlever le max de jaune, parce que la patine elle rend super bien. D'ailleurs la patine je pense que je rachèterai de temps en temps pour quand mes cheveux blancs seront un peu trop ternes ou trop jaunis, parce que forcément hein, vu qu'il n'y a plus de mélatonine, mais il n'y a plus de pigments dedans, donc ils ternissent et ils jaunissent, hein, les cheveux blancs. Donc je pense que de temps en temps je le referai pour bien y arriver. Ah, vous voyez cette couleur là, j'aime bien quoi. Donc, ça va, ça choque pas trop, je trouve. J'ai hâte de voir la fin avec mon gris. Je veux mon gris. J'ai toujours voulu du gris. J'ai voulu le faire plusieurs fois et je l'ai jamais fait. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Si c'est vraiment ta dernière colo, donne tout quoi. Voilà. Bref. Hein. Allez, sur ce, on switch le jour. Je regarde mes cheveux. Alors, il va être 9h. Je suis épuisée. Je suis crevée, j'ai envie d'aller me coucher. Mais je vais attendre le facteur parce que j'ai ma colo qui arrive. Je vous prends dans le bureau parce que chérie est en bas et que j'aimerais bien faire ma petite rotation. Là, tout ce que j'ai utilisé pour mes cheveux et j'ai encore la colo qui arrive. Il est temps que ce soit fini. Hein. Dernière étape tout à l'heure. Je suis contente. Donc, hier, j'ai été faire le remplissage de mes dents. J'ai super mal. Je me demande même s'il ne me blesse pas ici au-dessus, là. J'ai super mal. Donc, quand je suis arrivée, la dentiste et son assistante... Oh, Madame Ocar, on est trop contents de vous revoir. Ah ben, c'est gentil. Et... oui, attendez, je range mon dentelle parce que je m'en sors plus, moi. Je ne m'en sors plus. Et du coup, elle me disait que j'en avais trop manqué et tout, c'était trop mignon. Et du coup, j'en ai eu pour 300€ pour le remplissage, les deux, à la place de 200-300€ la prothèse, parce qu'il n'y avait pas besoin d'énormément de résine. Donc, je suis contente, parce que du coup, ça me laisse un beau budget maintenant. Donc il y a la castration de Yuki maintenant en priorité, mettre de côté pour les calendriers de l'avant de cette année,
mettre de côté parce que j'aimerais bien me racheter un nouveau PC, un PC gamer à la place de mon Mac. Parce que mon Mac, il commence vraiment à être très vieux. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Et après, remettre de côté pour mes dents, pour pas faire ceux du bas avec les implants. Mais là, c'est un autre budget. Hein. Bon, déjà, il me faut un bronzer. Je vais reprendre un peu le Nabla, tiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Blush. En blush. Qu'est-ce que je vais sortir en blush? Qu'est-ce que j'ai envie en blush? Oui, je réflecte. Hein. Je vais ressortir un peu le Kylie. Qui est un nude. Donc il me faudrait un rosé et un peu plus pêche. Donc ça c'est un nude aussi. D'ailleurs il est très ressemblant. Je compare. Je ne sais pas. Ah tiens, je vais ressortir un peu mon Floral Crunch. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé. Et en rosé, je vais prendre quoi en rosé? En rosé. Et ben, je vais ressortir un peu celui-ci de chez Catrice. Ça fait aussi super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Blistering Pink. Voilà. Et en highlighter, non, c'est foutre rien. Bon, je vais ressortir déjà un peu celui-là, le Winx de chez NYX. Et là, je vais reprendre mon chouchou, le Edwige de Colourpop. Il y a un trou dedans. Voilà. Alors, hier, j'avais donc rendez-vous à 10h chez le dentiste pour faire le moulage. Donc j'ai été faire ça, donc j'ai dû rester sans mes dents. La dentiste, elle me dit, vous voulez que je vous mette un masque? Bah non, je lui dis, pourquoi faire? Bah pour cacher votre bouche, parce que forcément, quand j'ai pas les dents, j'ai l'air d'avoir 30 ans de plus. Et j'ai dit, non, pas besoin, hein. Je m'en fous. C'était pour être sûr que les autres me regardent pas bizarrement. Rien à foutre. Et du coup, après le moulage, je suis passée d'abord chez Dee, parce que j'avais vu sur leur site qu'ils avaient la patine que j'avais utilisée la dernière fois, parce que j'ai dû annuler celle que j'avais commandée sur Amazon. Parce que je me suis rendu compte que je ne la recevais pas mardi hier, mais mardi 30 avril. Donc je dis, ça ne sert plus à rien. Et du coup, j'ai été chez Dee. Alors elle me dit, non, on n'a pas ça. Ben, je dis, pourtant, ils sont sur le site. Hein. Elle ne savait pas. Donc j'avais pris cette décolo là, parce que le mieux c'était de refaire une décolo en fait. Donc je vais vous expliquer après. Enfin, de toute façon je vous expliquerai mieux dans la vidéo, enfin, vous avez déjà vu. Et finalement je suis passée chez Produo, donc c'est une boutique de professionnels, de coiffeurs professionnels. Et c'était une coiffeuse, donc elle m'a super bien conseillé, elle m'a dit effectivement qu'il fallait refaire une décolo. Alors ça a bien rejauni. Mes cheveux, ils sont plus orange, quoi. Ils sont jaunes. Maintenant, je dois faire la colo par-dessus. Mais il y a des endroits, ici derrière, regardez comme c'est bien blanc. C'est vraiment mes longueurs qui sont trop gorgées, mais il y a des endroits où c'est bien blanc. Et là, les éclairages font qu'ils sont un peu plus jaunes qu'en vrai. Et du coup, elle m'a conseillé ça. Donc, c'est un décolorant de chez Vuela. Avec l'oxydant, et ça a super bien marché, sauf que vraiment pour les 4 mèches ici, j'avais presque plus de produit, j'ai dû racler les bords, et du coup, comme j'avais acheté celle-là pour rien, bah, j'ai ouvert celle-là pour vraiment rebadigeonner les mèches, mais voilà, maintenant j'espère qu'avec le gris, ça fera pas trop jaune caca, ou vert caca, on verra bien, écoutez, on verra ce que ça donne. Et alors, chez Produo, je devais parler sans mes dents, mais je zozote en plus d'avoir une bouche de vieille, je zozote. Donc je dis, excusez-moi si je parle bizarrement, c'est que mes dents sont chez le dentiste.
Alors, elle a rigolé parce qu'elle elle trouvait ça drôle. Voilà, tout simplement. Par contre, très bon conseil. Ensuite, je suis rentrée. J'ai attendu donc qu'il m'appelle pour me dire si je pouvais aller rechercher mes dents le jour même ou si je vais attendre le lendemain. Pour finir, ils m'ont rappelé pour me dire que je pouvais y aller à 4 heures à la place de 5. J'étais contente. Et voilà. Donc, j'ai d'abord été rechercher mes dents, puis après, j'ai fait la décolo. Et bon, je pensais que ça serait plus blanc platinium hein, quand même que ce jaune-là, mais bon. En bas, ça donne pas la même couleur. Hein. Ici, c'est vraiment les éclairages. Je sais pas si en mettant... attendez. Bon, là, ça va faire encore plus foncé, mais si je mets que le froid... Ouais, ça fait encore fort jaune, mais vous voyez qu'il y a quand même... Ici, c'est sacrément blanc, quoi. Mais le jaune, il ressort vachement plus en caméra qu'en vrai. Mais bon, voilà. Attendez, je remets mon éclairage comme il faut, sinon je vais oublier. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Je ne sais plus. Il me semble que j'ai noté 2-3 trucs. Là, ce matin, je vais lire les commentaires sur les formulaires du concours et c'est trop chou. Voilà. C'était trop mignon. Je réfléchis. Il me semble que j'oublie de vous dire un truc, mais je ne sais plus quoi. Donc forcément, au pire, je vous le dirai demain. Là, je vous dis, j'attends ma colo. J'espère juste que ça donnera bien. Et on verra bien. Hein. Écoutez, après, de toute façon, j'abandonne parce que... Les pauvres cheveux... Bon, elle m'a dit chez Produo qu'ils étaient encore super beaux. Hein. Donc, elle m'a dit, n'ayez pas peur de décolorer, de mettre beaucoup de produits et de laisser poser même un peu plus longtemps. Elle dit, vos cheveux sont superbes. Donc, voilà. Donc, avec tout ce que j'aurais fait subir, les pauvres, au moins, ils n'ont pas morflé. C'est bien. Ils sont sympas, mes cheveux, en ce moment. Mais il me semble que j'avais autre chose à vous dire et je ne sais plus quoi. Début. Je vais regarder ça en bas et je vous dirai demain. Donc voilà, demain vous me verrez avec les cheveux gris si tout se passe bien. Après je suis un peu inquiète parce qu'ils disent que sur le jaune c'est pas conseillé, sur le blond jaune comme ça. Mais écoutez, on verra bien. Si c'est pas beau, tant pis. Parce que bon, j'ai pas non plus... insister trop parce que je vais pas leur faire subir. Le but c'est de les faire de garder les repousses naturelles maintenant. Donc oui, parce que chez Produo elle voulait me vendre 2 gros paquets de 800 grammes je crois de poudre décolorante, mais j'ai pas besoin de tout ça, c'est juste pour une fois. Et après je veux plus toucher à mes cheveux, justement j'ai le but c'est de ne plus y toucher. Donc voilà. Par contre ma kiné a beaucoup aimé le rendu. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent que les cheveux clairs, ça me va bien aussi. Mais tout me va. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, j'ai mal mes dents. Ah. Celle du bas, ici, j'ai mal quand je mords au niveau d'une molaire. Parce que j'ai un trou dans la gencive, hein, tout simplement. Et à mon avis, la résine rappuie trop dessus et ça me fait mal. Et ici aussi, c'est vraiment la... Là. Au niveau de la gencive, ici au-dessus, quand elle me les a enfilés. Oh là 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 là, j'ai mal. Là, je les ai pas enlevés depuis hier. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pas y toucher non plus. On verra demain pour essayer qu'ils se refassent un peu. Parce que si je vais les enlever maintenant et les remettre, je vais avoir beaucoup trop mal et je vais avoir du mal à les remettre. Donc, c'est pas le bon plan. Au mieux que je les laisse, plutôt que de ne pas savoir les remettre. Hein. Bon, elle m'a dit après si c'est trop douloureux ou que ça saigne, là il faut que je la rappelle et que j'y retombe pour qu'elle puisse limer. Et là c'est super douloureux, mais c'est surtout quand je mords. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on a mal, surtout les dents, c'est surtout les dents. Riley ! Quand vous avez mal quelque part, vous avez tendance à appuyer dessus pour vous faire mal, pour vérifier si vous avez mal. Faut être con quand même. Hein. Et là j'ai mal de ce côté-là.
L'autre côté, j'ai pas mal. Si, quand je morde trop fort ici, ça me fait mal ici. Mais c'est de ce côté-ci que j'ai mal. J'arrête pas de mordre de ce côté-là, quoi. Faut être con, quand même. Mais, ouais. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, hein. Mais dès que j'ai une douleur quelque part, j'appuie dessus pour vérifier si j'ai mal, hein. Voilà. Donc demain, je pourrai clôturer la vidéo des cheveux. Je suis contente parce que j'en ai marre de la tournée aussi. J'ai même pas encore commencé le montage. Ça va être un bordel sans nom. On verra bien. Bref. Allez, sur ce, on se dit deux jours. Demain, vous verrez ma colo. Et si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose que j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire, je vous le dirai demain. Oui, je vous prends ici parce que je viens de filmer le close-up de la vidéo, enfin la fin, l'outro de la vidéo coiffure et l'intro de la vidéo ongle. Donc voilà, vous avez déjà vu la vidéo coiffure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la remets en barre d'infos. Hein. Mais j'attends la patine que je devrais recevoir moi demain, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire du coup. Ça dépend à l'heure où je vais recevoir, ça sera soit demain, soit samedi, soit dimanche, voilà, ça sera ce week-end quoi. Je pense que vous ne verrez pas le rendu dans ce vlog, donc il faudra attendre le vlog prochain. J'ai la quête. Alors, je me suis réveillée à 3h du matin. Tellement j'avais mal le côté de la bouche, ce côté-là de la bouche. Oh, j'ai mes dents, elles me font super mal. J'ai les gencives. La gencive ici en haut, elle est en feu. Ici, j'ai comme une pointe qui me fait mal. Donc, j'essaie de les laisser sans trop chipoter. Mais j'ai dû redescendre, prendre un cachet. Donc à 3h du matin, je me suis réveillée parce que j'avais mal aux dents et que j'avais envie de faire caca. Voilà. Toujours on se réveille au milieu de la nuit pour faire caca. Toujours. Mais du coup, j'ai pris un Dafalgan et j'ai été me recoucher vers 4h. Jusque, le téléphone de chérie a commencé à sonner à 4h30. Je l'ai entendu sonner 3 fois. Après, j'ai plus rien entendu. Donc je sais pas s'il s'est levé ou si j'ai juste que je me suis tellement endormie comme une masse que je l'ai plus entendu. Et oui, c'est lui après moi, je crois. Donc du coup, j'ai entendu le réveil à 6h30. On s'est levé en même temps. Pour Sam, pour l'école. Donc voilà. Là, je vais aller nourrir les chiens. J'attends DJ. Il y a DJ qui vient aussi. Donc on m'a rappelé que comme j'étais à 5000, Olivier, merci. Comme j'étais à 5000 abonnés, il fallait que je fasse un make-up dans la DJ mobile. Donc je vais lui en toucher un mot. Maintenant, j'étais en train de me dire, je sais pas trop comment filmer dans sa voiture, puisqu'elle n'a pas de support et tout ça. On fera peut-être plutôt un live, je pense, différent. Et essayer de s'organiser pour plus tard, pour la DJ mobile. Il faut que je voie avec elle ça tout à l'heure. Donc voilà. Et après, il faut que j'aille dormir parce que je suis... crever. La chérie a été à la pharmacie hier, donc il a été me chercher enfin mes décontractants musculaires. J'ai pas osé en prendre un hier soir parce que j'avais peur de pas savoir me lever ce matin, mais je vais en prendre un demain soir et samedi soir, comme si je me lève pas, c'est pas très grave. Comme ça, je vais déjà détendre un peu mes muscles, surtout dans la nuque et les omoplates. Je crève de mal au dos aussi, les reins, depuis 2 jours. Et d'ailleurs, ça me fait un peu paniquer parce que j'ai mal, surtout le rein droit. Et ça me lance de temps en temps aussi des fois dans le ventre du côté droit. Donc j'espère que je n'ai pas un calcul. Et voilà, enfin bref, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc je prendrai ça pour dormir bien bien. Sinon, le rendu de mes cheveux, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la fin avec la patine. Pour vraiment que j'aille chez DM. Fille, elle est occupée, t'es en train de foutre le bordel dans mes affaires, tu sais que j'aime pas ça. Après, voilà, je vous ai expliqué à la fin de la vidéo cheveux ce que j'aurais pu économiser en argent, hein, parce que en temps et en argent, j'ai abusé. Mais voilà, comme c'était une expérience, écoutez, quand on fait une expérience, on sait pas trop où on va, donc. Mais je suis contente du rendu là pour l'instant, donc ça va. Laisse ça. Oh, elle m'énerve. Ouais, donc là j'attends la patine parce que j'ai commandé chez Di. Je crois que je viens de vous le dire, hein. Je ne sais plus. Elle me fait perdre la poule cette chaîne. Plus la fatigue, hein, on est d'accord. Donc voilà, maintenant je vais aller nourrir les chiens. Et attendre des chiens. Tout simplement.
et voilà, demain c'est déjà vendredi, putain la semaine est passée à une vitesse. Bon déjà ça m'a pas eu cours mardi parce qu'il y avait grève des bus, alors ils savaient pas faire grève pendant que c'était congé scolaire, hein. Il y a eu deux semaines de congé scolaire juste avant, non ils font grève le mardi, et le mercredi, un mercredi sur deux il a pas cours, donc avant c'était tous les mercredis, hein. Mais là la prof de cuisine qui est là remplace une semaine sur deux celle qui n'est pas là, donc voilà, les classes du coup se sont arrangées et ils ont cuisine que une semaine sur deux. Et voilà, voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Faut que j'aille chez DM, absolument. Hein. Voilà, comme j'ai expliqué dans la vidéo cheveux, les produits sont 50% par rapport à ici. Hein. Ils sont moitié prix, quoi. Donc, faut vraiment que j'aille. La patine et le shampoing John Frieda que j'ai commandé, là, ils sont moitié prix chez DM en Allemagne. Hein. Donc, faut vraiment que j'aille en Allemagne. Voilà, mais je sais pas quand. Je réfléchis, mais j'avais rien d'autre à vous dire. J'ai une nez qui coule. Non, j'avais rien d'autre à vous dire. Donc j'ai juste fait un petit make-up. J'avais envie de me maquiller parce que ça fait une semaine que je me suis pas maquillée, que j'avais pas filmé de vidéo, hormis le vlog et la vidéo coiffure. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même faire une petite face clôturer la vidéo coiffure et faire l'intro. Vous voyez comme ça fait bizarre mes cheveux, ça fait... ils sont magiques, hein. C'est comme la robe bleue. Bref, bon, allez, sur ce, on suit toujours. Alors, il est 8h20. Je viens de finir de tourner ce make-up. Voilà, voilà. Je vais ranger le petit... J'ai plein de bordel à ranger. Le petit papier du tirage au sort pour la prochaine. J'ai mes pinceaux à ranger, tiens. J'ai bien dormi cette nuit, donc voilà. Soit je dis des conneries parce que je suis fatiguée, soit je dis des conneries parce que j'ai bien dormi, que je suis reposée. Au choix. Au choix, au choix. Ouais, j'ai bien dormi cette nuit. Je suis montée me coucher à 10h. Ouais, même un peu avant 10h, moins 10, il était, un truc comme ça. Et je me suis réveillée ce matin à 5h. C'est Ryan qui me réveille. Sinon, je pense que j'aurais dormi encore un petit peu. Mais bon, c'est sans compter sur Ryan qui aime venir me réveiller. Il adore ça. Je crois que c'est sa nouvelle passion dans la vie, me réveiller. Mais bon, je préfère 5 heures que 2 heures, hein, on est d'accord. Hein, parce que des fois, c'est 3 heures. Alors là, j'attends ma commande dit. Et j'ai une commande AliExpress qui arrive aussi. Donc ça doit être les hamacs pour les titis. C'est soit ça, soit les sparadraps que j'avais... Alors, quand j'ai fait la commande sur AliExpress, il fallait au moins 10 euros minimum. Pour avoir les frais de port offerts pour la commande. Quoi. Donc, j'ai commandé des sparadraps, parce qu'on n'en a presque plus, et c'est jamais perdu, les sparadraps, on est d'accord. Donc, j'ai commandé ça en même temps pour avoir les frais de port gratuits. Sauf qu'ils me l'envoient en deux colis. Les sparadraps tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc les pinceaux de teint, ça va par là, je rangerai tout à l'heure. La palette et tout ça, je rangerai après. Oups, je crois que je vous ai cogné. Je recommence avec mes je crois que j'avais un truc à vous dire, mais que je ne sais plus quoi. Ouais, tout à l'heure, je vais faire ma patine, du coup. J'ai hâte de voir. DG, elle est venue hier. Alors oui, merci. C'est Elisa ou Elina, je ne sais plus. J'ai une abonnée qui a fait passer par DJ un dessin qu'elle a fait. Donc, je vous mets la photo. C'est du dessin millimétré, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a tous les petits carrés sur la feuille et elle colorie petit carré par petit carré. J'ai dit, c'est un truc de fou parce que... Alors déjà, moi, je ne verrai déjà pas les petits carrés. Mais il faut une patience. Oh, voilà, voilà. Par contre, je disais, ça peut être intéressant pour ceux qui font du point de croix aussi. Voilà. Je vous mets son compte en barre d'infos, son compte Insta, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait.
C'est ma pantoufle qui a grincé sur la patte de ma table. Ce n'est pas moi qui ai pété comme ça. Je ne sais plus. Il me semble que j'avais un autre truc à vous dire, hein, mais je ne sais plus. Je crois que ce n'était pas important. Comme aurait dit mon grand-père en son temps. Mais il me semble, je ne sais plus. Là, j'attends que Chéri rentre ce soir et puis je vais essayer de négocier avec lui pour aller chez DM demain. Je ne suis pas sûre qu'il accepte. Hein. J'ai un gros doute hein, qu'il accepte. J'aimerais bien y aller pour faire mon stock. Enfin, je vais déjà voir ce que donne la patine tantôt, en espérant que ce soit bien. Après, DG a beaucoup... Oui, c'est ça que je voulais vous dire. DG a beaucoup aimé. Voilà. Elle a eu un choc en rentrant dans la maison, quand j'ai ouvert la porte. Mais elle a beaucoup aimé et... Il y a vraiment les deux reflets sur mes cheveux, en fait. C'est pas... Oh ! Ça vous dérange pas que je filme ? Non, parce que si ça vous dérange, vous le dites, hein. J'attends que vous ayez fini votre bordel. Et oh, du mort. Non, je te prends pas sur les genoux, mais non. Donc, elle a beaucoup aimé, voilà. Mais ouais, il y a vraiment les deux reflets sur mes mèches, en fait. C'est assez marrant. Ça fait or blanc, or jaune, quoi, comme je disais. Maintenant, j'espère vraiment que la patine va me donner un côté plus gris, cendré. C'est vraiment ce que je voulais. Mais voilà, si ça revient comme ça après, ça ne me dérangera pas, quoi. Mais comme je disais à DJ, si j'arrive à aller chez DM et faire un stock, bon, de toute façon, j'irai entre le fait que j'utilise... là, je vais utiliser une patine aujourd'hui, l'autre, j'utiliserai que dans 3 mois, donc ça urge pas. Et je vais me souvenir de ce que je voulais vous dire. Je vous le dirai après si j'ai pas oublié. Et voilà, en faire une tous les 3-4 mois par exemple, vous savez, pour enlever le côté jaune et refaire un soin sur mes cheveux, ça sera pas perdu de toute façon. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que hier soir, hier dans l'après-midi, j'ai enfin réussi à enlever mes dents pour les laver et les remettre. J'ai douillé sa mère, hein, mais j'ai réussi. Voilà, là j'ai un peu moins mal. Mais c'est toujours de ce côté-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai un peu moins mal ici au niveau de la gencive au-dessus. Là, ça va déjà vachement mieux. Mais je suis quand même un peu gonflée. Enfin, là, vous voyez pas parce que je suis maquillée. Mais Marie, d'ici, elle est moins... Enfin, mon cio naso-junior est moins creusé de ce côté-ci qu'ici. Donc, ça veut dire que je suis un peu gonflée. Bon, après, ça choque pas trop non plus. Par contre, ici, en dessous, ça me fait vachement mal. Mais j'ai un os de la gencive qui a fait une pointe. Et du coup, la nouvelle prothèse, enfin le remplissage de la prothèse appuie vachement sur l'os et ça fait super mal. Hein. Donc voilà. Là, je vais attendre ce soir pour les remplir en espérant que ça se calme. Et j'ai pris un dafalgan avant d'aller me coucher. C'est peut-être pour ça que j'ai bien dormi aussi. Hein. Et j'ai repris une gummies aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris mes gummies pour dormir. Donc voilà, on verra. Bon, après, c'est un mauvais moment à passer. Je pense que ça ira relativement vite, parce que je vous dis, ici au-dessus, j'ai déjà presque plus mal. C'est vraiment ici en dessous que ça... Ben, je sens que ça appuie sur l'os et ça fait mal, quoi. Ou sinon, ça va. Voilà. Et là, j'ai pas remis de colle. Ils tiennent plutôt bien, à part quand je mange. En fait, celle du dessous, elle tient bien ici, de ce côté-ci, du coup, parce que j'ai mal et que ça doit être gonflé. Donc, du coup, elle tient bien. Mais pas ce côté-là. Et pour mâcher, pour pas avoir mal, je dois mâcher de ce côté-là, ou au milieu. Et du coup, ça veut dire que le petit côté ici, ça bouge un peu. C'est pas trop dérangeant, mais j'ai quand même du mal à manger, à mâcher. Bon, et ben moi je vais redescendre. J'ai encore, je vais tourner mon matos ongle, mais ça je ferai tout à l'heure. Ouais, voilà. Là, je vais redescendre et puis ranger d'abord mon petit bordel, redescendre et faire ce que j'ai à faire en bas. Ce matin, j'ai déjà pas chômé. Hein, déjà, j'ai fait mon teint. Par contre, je crois que j'ai une mèche ici un peu trop longue. Il faudra que je vérifie ça. J'ai déjà pendu mes draps parce que je les avais fait tourner cette nuit. Ouais, finalement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste pendu mes draps. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais aller voir pour nourrir mes clébards. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog, hein. Bah, comme on dit, c'est pas très important, je vous ai dit, de toute façon, il y a 2 patines et 2 shampoings violets. Ouais, voilà.
Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de participer au concours si ce n'est pas fait, hein, il est en barre d'infos. Ah, il est ! Elle fait que des conneries, elle m'énerve ! Et donc, ben, en attendant la prochaine vidéo, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous !